suivre après 4 heures de pêche.
Et ben voilà, au bout de 4 heures de pêche, ça paye. Ça paye. Calme-toi. Monstre. Juillet, fin de matinée, enfin du moins c'est plus de 10 heures. Là je vais partir à Longepierre pour pouvoir déguster un magnifique repas préparé comme il se doit par la grand-mère d'Émilie, la Dédette. Je sais que ça va être succulent parce qu'à chaque fois qu'on mange à Longepierre c'est délicieux, elle nous fait toujours très bien à manger. Voilà, et c'est surtout cette fin de matinée, comme je disais, qui va se terminer avec une énorme prise, avec une magnifique zébrée de 48 cm. Au bout de 4 heures de pêche, sans rien voir du tout, ne serait-ce que une petite grignette. Si j'ai fait fuir une belle truite un peu plus bas, là, qui devait faire aux alentours aussi des plus de 40, ou bien 45, je dirais même, mais juste effrayé. Mais sinon, rien du tout depuis 6 heures du matin, donc je suis très content. Au dernier moment, plus beau. Donc là, je suis un peu plus haut, Biard-sur-Ain. J'ai réussi à sortir cette truite qui m'a sauvé le capot de 48 cm. C'est génial. Voilà. Donc là, je vais rentrer gentiment. Hein. Et je pense remonter un jour sur le parcours plus haut quand même, parce qu'en bas, c'est inerte. Hein. Très peu de poissons, j'ai l'impression. Après, bon, voilà, elles sont sorties, elles sont pas de sortie. Ça dépend des jours aussi, hein. Donc faut pas non plus désespérer parce que j'ai pas touché de poisson pendant plus de 3h30, 4h de pêche, quoi. Donc voilà, et ben, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.